tranquille. Vous voulez de l'aide? Le garçon de Lala. Connasse. T'as vu son cul? Grosse pute. Ok. Fayot. Lèche-cul. Salintello. Guignol. On va te pendre, Bolos. Étranger. Retourne dans ton pays. Connard. Connard. Regarde son pif. Y'a pas de. C'est pas le faillot. C'est quoi ces chaussures? C'est ta grand-mère qui te les a achetées? Pourquoi tu mets du rose, du vert, du bleu et du violet et du vert? Un petit loup. T'as fait faillot. C'est quoi cette odeur? Tu as vu ta coupe? Toi, t'es pas prêt d'avoir une copine. Ah, ça sent le tocard. Tu vas pleurer dans les jupes de ta mère. C'est bien. Qu'est-ce que tu as? Je vais arrêter de me dire que tu as. Pour le reste, je vais te. Je viens en prison, s'abandonnant enfin à son amour. Elle n'a plus besoin de se fixer des obligations toujours contraires à ses impulsions. Plus besoin d'ôter des gestes qu'il ne désire pas, ni de retenir ce qu'il désire. Selon sa propre expression, a lâché prise. La main de fer du devoir. Bon, chapitre 11 et 12 pour la prochaine fois. Bon appétit! Public ici.
Thank you.